dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 41, et on va lire à partir du verset 10. Ésaïe, chapitre 41, verset 10. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma main droite victorieuse. Ils seront honteux et confus, tous ceux qui se sont fâchés contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront, ceux qui te cherchent querelle. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, tes adversaires. Ils seront réduits à rien, au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Et on lira un autre passage dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 2, et on lira à partir du verset 6. Toi, fils de l'homme ou humain, n'aie pas peur d'eux, n'aie pas peur de leurs discours, car tu es avec toi des ronces et des piquants, avec toi des ronces et des piquants, et tu vas t'asseoir sur des scorpions. N'aie pas peur de leurs discours et ne sois pas terrifié par leur visage, car c'est une maison rebelle. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde, car ce sont des rebelles. Toi, fils d'homme, écoute ce que je te dis. Ne sois pas rebelle comme cette maison rebelle. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. On arrêtera là pour l'instant nos lectures. Le premier passage que l'on a lu dans le livre d'Ésaïe nous parle évidemment d'Israël. Le verset précédent, c'était « Toi, Israël, Jacob, que j'ai choisi parmi les extrémités de la terre, je t'ai choisi, mon ami, mon serviteur. » Alors évidemment, nous qui sommes chrétiens, nous pouvons nous réclamer des promesses d'Israël dans la mesure où nous reconnaissons que nous sommes en Jésus-Christ rattachés à Israël. Et bien souvent, c'est une des failles qu'il y a dans le christianisme, c'est que on veut bien des promesses, mais on rejette nos racines, on rejette Israël. Et ça, c'est une grave erreur, parce que les promesses sont faites à Israël. Et là, ce texte nous dit, n'aie pas peur, ne crains pas. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons toutes les raisons d'avoir peur, de craindre, de nous inquiéter. On entend parler des guerres, on entend parler de l'iniquité qui ne cesse de s'accroître. On voit de manière évidente maintenant l'apostasie se répandre au milieu du peuple de Dieu. On a possibilité de voir aussi des craintes et des angoisses concernant la vie économique, de savoir si on aura du travail, de savoir si on aura de quoi subvenir à nos besoins. En clair, nous vivons dans un monde anxiogène. Et là, le Seigneur nous dit à travers sa parole, ne crains pas et ne porte pas des regards inquiets autour de toi. Car je rendrai tes ennemis confus et je les ferai disparaître. Alors les ennemis, ce n'est pas forcément des hommes. Les ennemis, c'est tout ce qui va aller à l'encontre de notre foi, tout ce qui va aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous. Et en premier lieu, nous avons l'ennemi de nos âmes qui est Satan. Donc je répète encore une fois, si nous voulons nous réclamer des promesses de Dieu faites à Israël, il est bien évident que nous devons être convaincus que nous sommes rattachés aux promesses d'Israël et que Dieu n'a pas rejeté Israël. Il l'appelait son ami. À partir de là, nous pouvons nous en réclamer. La crainte, c'est la première conséquence qu'il y a eu après la chute. Quand Adam était dans le jardin, il a mangé donc de l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec son épouse, et l'Éternel avait l'habitude de venir voir son Adam tous les soirs dans le jardin. Ils conversaient, et je vous ai déjà dit que
Adam avait ce privilège immense d'avoir directement Dieu de manière visible, et il pouvait lui demander, le jardin d'Éden, ça correspond à la parole de Dieu ou à la Torah, donc il pouvait découvrir le jardin et demander directement à Dieu de lui expliquer ce qu'était le jardin. Ce n'était pas simplement un être oisif dans un jardin au bord d'un ruisseau, au bord d'un fleuve avec des jolis arbres et puis attendre que la vie passe. Ce n'était pas ça du tout. Il y avait cette possibilité qu'il avait de connaître Dieu à travers son œuvre et il pouvait demander directement à Dieu ce qu'il en était. Et puis, la chute est arrivée. C'est-à-dire que Dieu, après être rentré dans son Shabbat, dans sa cessation de création, il a laissé le libre choix à l'homme de poursuivre selon son cœur ou de choisir pour son ennemi. Ce qu'a fait l'homme, c'est de choisir pour l'ennemi de Dieu. Et donc, il s'est pris lui-même pour Dieu. Première conséquence, après, tout de suite après qu'il ait mangé de l'arbre, la Bible nous dit que Adam se cacha de l'Éternel. Et quand l'Éternel lui dit, mais où es-tu? Où en es-tu arrivé? Comment en es-tu arrivé là? C'est plutôt cette traduction qui serait plus juste. Non pas que Dieu ne savait pas où était son Adam, mais comment en es-tu arrivé au point où tu dois te cacher de moi qui suis ton créateur? Et la réponse de la dame est, j'ai eu peur. Donc la peur dans l'humanité, c'est la première conséquence du péché. Première conséquence de la rébellion, c'est l'entrée de la peur et de la crainte dans l'humanité. Depuis lors, l'homme rebelle a peur pour sa vie, a peur pour son bien-être, a peur pour sa famille, a peur pour toutes les circonstances qu'il rencontre dans la vie. Il est dans une crainte et son objectif est de se rassurer ou d'agir de manière à pouvoir éviter tous les dangers qu'il peut y avoir dans le monde. Tous les dangers concernant sa santé, tous les dangers concernant ses besoins physiologiques, tous ces dangers concernant sa propre vie et sa propre famille, tous les dangers concernant son futur, tous les dangers concernant son bonheur. Et donc, il essaye par tous les moyens, et c'est une recherche constante, d'être rassuré. Et quand on écoute les hommes autour de nous, nos contemporains, on voit bien qu'ils sont toujours dans la crainte. Ah, j'espère qu'il n'arrivera pas à ceci. J'espère que je ne tomberai pas malade. J'espère que j'aurai encore du travail demain. J'espère que je pourrai payer telle et telle facture. J'espère que je pourrai faire ceci, que je pourrai avoir cela. Et j'espère que si seulement je ne pouvais ne pas mourir, mais comme je ne peux pas éviter ce problème, eh bien je l'occulte. Alors, je vais essayer de me perdre dans des futilités de manière à oublier. L'objectif, c'est de vivre de manière non trop pénible. Alors, on va grappiller des joies, on va grappiller des instants éphémères qui sont des instants de bonheur en famille ou dans certaines joies, d'autres vont être dans ce qu'on appelle le sport extrême ou des choses comme ça. Ils vont essayer d'obtenir quelque chose qui les rende vivants. Et on voit bien que cette peur a amené l'humanité dans un état où c'est une fuite en avant dans la recherche d'être vivant. Et ce qui est effrayant, c'est le cas de le dire, c'est que la dame, à partir de là, a eu peur de la mort. Et l'homme a peur de la mort. L'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas. L'homme a peur de l'inconnu. Je m'amuse parfois avec mon épouse, on a notre jardin, et parfois ça m'arrive de lui dire, quand il fait nuit, tiens, tu pourrais aller au fond du jardin là et aller me chercher. Elle dit, ah non, il fait nuit. On a peur de ce qu'on ne voit pas, de ce qu'on ne connaît pas. Pourtant, dans la journée, ça lui pose pas de problème. Mais dès qu'il fait nuit, ah non, je ne peux plus y aller. À une certaine heure, je ne peux plus y aller au fond du jardin. Parce que il y a l'inconnu. Il peut y avoir quelque chose dans les ténèbres qui apparaît, voilà.
Et ça, c'est la crainte de l'homme. L'homme a peur de l'inconnu. Et alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur se propose de se révéler à lui et de lui dire, écoute, je suis ton créateur. Moi, je connais toutes les circonstances de ta vie. Et à partir du moment où tu abandonnes ta vie entre mes mains, je vais m'en occuper. Alors, nous, en tant que chrétiens, on se dit, bon, c'est vrai, le Seigneur, s'il s'occupe de ma vie, on entend souvent, soit dans les prières, soit dans les témoignages, le Seigneur s'occupe de ma vie, donc je n'ai pas peur. Et bizarrement, on a des retours parfois ou des questions. Frère, que pensez-vous de ça? Parce que j'ai peur d'eux. Frère, que pensez-vous de ça? Parce que j'ai peur d'eux. Mais comment peut-on avoir peur si on dit une minute avant, je ne crains rien car l'Éternel s'occupe de ma vie? C'est bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place dans notre vie chrétienne. C'est dans la première épître de Jean, oui, où Jean nous fait la démonstration au chapitre 4. Il nous dit, l'amour bannit la crainte. Celui qui aime ne craint pas. Ou celui qui se sait aimer n'est pas dans la crainte. Si vous voulez retrouver, c'est 1 Jean 4 à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. L'amour bannit la crainte. Trop souvent, les chrétiens sont dans une attitude émotionnelle de la vie spirituelle. Et donc, à partir du moment où il y a une épreuve qui arrive à eux, alors qui va toucher leur propre santé, qui va toucher leur travail, qui va toucher leur vie, leurs enfants, là, tout d'un coup, c'est la circonstance qui prend le dessus sur la foi. Et souvent, j'ai remarqué que ce problème venait du fait que on n'a pas cette révélation totale de l'amour de Dieu pour nous. Et ça, c'est un des problèmes que nous rencontrons notamment dans le monde évangélique, mais dans d'autres religions aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de repentance. On ne veut plus quelque chose qui peut nous faire comprendre qu'on a besoin de demander pardon à Dieu, parce que on veut entendre un discours qui nous dit « Dieu t'aime même si tu pèches ». Donc, le balancier a été tellement dans un sens où tout le monde était pécheur, si tu ne crois pas, tu vas être perdu. Et on présentait un Dieu sévère, un Dieu voire méchant, un Dieu qui était tout de suite prêt à nous frapper, mais on ne présentait pas l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui était mort pour nous. Et du coup, le balancier est parti complètement dans l'autre sens, où on ne veut plus entendre parler d'un Dieu qui est un Dieu qui juge, un Dieu qui peut nous condamner même, parce qu'il condamne le péché dans notre vie, et on veut un Dieu d'amour qui soit licencieux. Et ces deux extrêmes-là sont extrêmement, c'est le cas de le dire, négatifs. Le juste milieu, c'est un Dieu qui nous aime, mais qui ne peut pas tenir le pécheur comme innocent, pour innocent. Alors, pour ceux qui sont dans la crainte de Dieu, mais dans une crainte qui n'est pas un respect, mais qui est une peur de Dieu, je voudrais poser juste une question. Peut-on imaginer un amour plus grand qu'un Dieu créateur de toutes choses puisse avoir à la seule pensée de détruire sa création alors qu'il ne l'a pas fait du temps de Noar et que, voyant que les hommes n'avaient pas la capacité et la possibilité parce que le péché habitait en eux de satisfaire aux exigences de la justice de Dieu, s'offre lui-même en Jésus-Christ pour prendre sur lui notre condamnation. Si Dieu ne pensait qu'à nous juger, qu'à nous condamner et qu'à nous exterminer, alors il aurait été plus simple pour lui de détruire les anges déchus, de détruire l'humanité, et de refaire quelque chose sans les hommes
tel qu'Adam, sans les anges déchus, il n'aurait pas laissé cette dispensation que nous connaissons aujourd'hui, qui arrive à sa fin, de l'histoire de l'humanité, sans la détruire. Ça n'a pas de sens. Or, Dieu est un Dieu de vie, mais Dieu est un Dieu moral. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas tenir le pécheur pour innocent, donc il n'a pas le choix que de porter lui-même le péché sur lui, parce que la Bible nous dit « Et l'Éternel était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Mais le monde, on le voit un peu comme la terre seulement. Mais si vous voulez le prendre le texte grec, c'est « réconciliant le cosmos ». Cosmos, c'est l'univers. Donc Dieu réconcilie l'univers, c'est-à-dire il est en train de réparer cette brisure qu'il y a eu par la faute d'Adam, par le péché d'Adam. Il répare la brisure qui s'est faite dans tout l'univers. Certes, certains êtres ne peuvent pas être pardonnés. Tels les anges déchus, tels Satan. Pourquoi ? Parce que eux, ils avaient une connaissance encore plus grande de Dieu que même l'Adam. Adam ne connaissait Dieu que par le fait de se promener dans le jardin, c'est-à-dire se promener dans la parole de Dieu, et il apprenait à connaître son Créateur de cette manière-là. Or, Satan savait lui. Il était le plus grand des chérubins, et il était au service direct de l'Éternel. Et donc, eux, c'est vraiment un orgueil avec la toute connaissance des choses qu'ils ont décidé de se rebeller contre Dieu. Donc là, il n'y a pas de pardon possible. Ils connaissaient vraiment Dieu. L'homme est une créature qui peut être pardonnée. Elle peut être pardonnée parce qu'elle n'a pas la toute connaissance. Et pourtant, c'est une des créatures qui est encore plus glorieuse que les chérubins. Et c'est cette dichotomie qui est un peu bizarre pour nous les hommes. C'est parce que Dieu a voulu créer une créature qui lui soit semblable pour pouvoir s'unir à elle. Il ne s'unit pas avec un ange. Dieu est esprit. Donc, il fallait qu'il crée une créature physique qui est une âme, et une âme est un esprit. Et donc, il insuffla dans les narines de l'homme un esprit, et il devint un être ou une âme, une nefesh achayim, c'est-à-dire une âme vivante. Et à partir de là, il peut s'unir en esprit à cette créature pour manifester un amour total avec sa création. Ce qui s'est passé avec Jésus. Donc l'homme peut être pardonné. À partir du moment où l'homme est pardonné en Jésus-Christ, il doit comprendre que Dieu l'a aimé de cette manière. Qu'il l'a aimé de manière à s'offrir lui-même pour lui, pour être uni à lui et pour lui apporter tout ce dont il a besoin jusqu'au jour où il y aura les nouveaux cieux, la nouvelle terre, parce que l'objectif est là. Alors, il sait très bien qu'on est dans un monde de combat. Il a créé son Adam pour être un combattant. Contre qui? Contre le Satan. À partir du moment où l'homme s'est rebellé et s'est uni à Satan, il était bien évident qu'il fallait le plan de rédemption de Dieu, qu'il a mis en place en Jésus-Christ. Mais nous, en tant que chrétiens, la fâcheuse tendance que l'on a, c'est de regarder les circonstances, de rester focalisé sur ces circonstances et de laisser en nous croître ce sentiment de peur et de crainte pour l'avenir. Or, si Dieu a été capable de s'offrir lui-même en Jésus-Christ pour nous sauver, c'est qu'il nous aime et qu'il veut nous protéger, qu'il veut nous garder, qu'il veut nous bénir, même dans des circonstances contraires. Alors, l'objectif, c'est pas de se dire « Jésus va nous pardonner tout, Dieu va tout nous pardonner, on peut pécher comme on veut, on peut et se demander que des bénédictions ». Non, même à travers l'affliction, nous avons la protection du Seigneur et nous sommes dans une école pour pouvoir être dépouillés de nous-mêmes et être revêtus du Christ.
Alors, je dis souvent, ce n'est pas en sondant les ténèbres que l'on découvre la lumière. Parce qu'il y a d'autres frères et sœurs qui passent trop de temps à essayer de déterminer les événements qui vont se produire. Alors là, on va prendre un cas classique, tous les événements décrits dans l'Apocalypse. Alors là, tous les hommes considèrent que la lune qui devient une lune de sang, le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui sont ébranlées et qui tombent, ils se disent ce sont des jugements. Ce ne sont pas des jugements. Le jugement, c'est tout ce qui va frapper l'humanité qui ne veut pas se repentir. Et avec ces jugements, Dieu ne veut pas encore à ce moment-là punir l'humanité. Il veut l'attirer à lui pour qu'elle se repente. Or, nous constatons, nous dit l'Apocalypse, que les hommes préfèrent se mordre la langue plutôt que de se repentir. Alors là, la condamnation arrive après. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces événements, j'ai envie de dire, de toute la création qui est ébranlée? Ce n'est rien d'autre qu'une théophanie. La théophanie, c'est la manifestation de l'Éternel. Une des théophanies qu'il y a eu dans l'humanité nous est révélée dans le livre de l'Exode. Quand l'Éternel s'est révélé au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il y avait des tremblements de terre, du tonnerre, des nuées de gloire. La montagne était comme en feu. C'est parce qu'à partir du moment où l'Éternel se révèle dans sa gloire, la création même est ébranlée. Elle est ébranlée parce qu'elle est soumise à la vanité à cause du péché de l'homme. Et donc, quand Dieu se révèle, même la terre branle sur ses fondements parce que c'est la révélation de la gloire et de la sainteté de Dieu dans la création qui fait que la crainte de l'Éternel se manifeste même dans des objets inanimés, tels que les montagnes, tels que les planètes, enfin, inanimés pour les planètes, non, c'est pas très juste, mais tels que toutes les étoiles et le cosmos. Et quand les hommes vont revoir cette gloire, ils vont dire, montagne tombée sur nous, engloutissez-nous, parce qu'il y a tout d'un coup cette révélation de la plénitude, de la sainteté, de la gloire de Dieu, qui fait que l'homme ne peut pas ne pas voir sa souillure. Et en voyant sa souillure, il ne peut plus la supporter. Et c'est pour ça qu'il dit, montagne tombée sur nous et engloutissez-nous, parce que nous ne pouvons pas demeurer dans la présence sainte de Dieu avec nos cœurs aussi souillés. Seuls ceux qui sont lavés par le sang du Jésus peuvent se tenir debout devant l'Éternel. Les autres, c'est un jugement qui tombe. Mais le jugement, Dieu n'a pas à le prononcer, ils se jugent eux-mêmes. Ils se jugent eux-mêmes. Montagne, tombez sur nous. Engloutissez-nous. Cachez-nous. Et c'est pour ça que l'Éternel dit à Israël, ne crains pas. Ne porte pas des regards inquiets autour de toi, parce que tes ennemis, tu ne les verras plus. C'est-à-dire que tous ceux qui, ces anges déchus qui nous poussent à aller vers l'iniquité, Dieu va mettre un terme à tout ça. Il arrivera un jour où tout cela cessera. Alors, on essaye toujours, et ça c'est la propension de l'homme, veut toujours trouver ce qui est écrit dans le livre de la Révélation, c'est-à-dire de l'Apocalypse, et le ramène à sa propre génération. C'est normal. Mais j'avais une discussion avec mon épouse hier, et elle me disait, mais il va quand même y avoir des guerres, il va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Alors je dis, oui, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'un tiers de l'humanité va mourir par l'épée, par la famine, par donc les guerres. Et elle dit, ben justement, et par les épidémies. Elle me dit donc, est-ce que ça va arriver? Mais je dis, mais on est déjà rentré dans cette dispensation-là. On a toujours cette propension à ramener à notre génération et à quelque chose qui va arriver. Mais dans l'histoire de l'humanité, les deux guerres mondiales n'ont jamais autant fait de morts que toutes les autres guerres réunies. C'est par millions. Donc ces choses-là sont déjà arrivées. Et
On veut toujours penser que c'est quelque chose qui va arriver comme un jugement. Non, les choses se mettent en place d'ores et déjà. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire dans ces temps-là? Eh bien, il nous faut nous appuyer sur l'Éternel. Comme je le disais ces derniers temps, évidemment, on a parlé de l'impie, d'une manière un peu sur un axe qu'on n'utilise pas souvent. On a parlé du feu étranger, on a parlé de Jézabel, on a parlé de toutes ces choses-là. Donc, on dénonce des choses dans l'Église qui sont justement ces bastions ennemis au sein même du peuple de Dieu qui veulent l'amener à pécher contre Dieu. Donc il faut le dénoncer, il faut dénoncer ces choses-là. Mais ceux et celles qui veulent vraiment donner leur vie à Christ n'ont aucune crainte à avoir. Même s'ils tombent malades, même s'ils ont tel et tel événement qui arrive dans leur vie, Dieu est toujours présent. Alors j'ai eu une question aussi. Mais si Dieu nous aime et que la maladie a été portée par Jésus, comment ça se fait qu'il y a des frères qui meurent de maladie? Ou comment ça se fait que tel frère meurt dans un accident de voiture? Je comprends pas. Comme si le fait d'être chrétien nous exonérait d'être rendus participants à ce que le monde vit. Eh bien, l'Éternel a dit une chose. Il a dit « Je fais pleuvoir sur le bon et sur le méchant ». C'est-à-dire que pour un temps, le juste, il est soumis aux mêmes événements que le méchant. Le juste peut très bien avoir les mêmes épreuves que le méchant. Mais il a une espérance que le méchant n'a pas. Et donc, pourquoi un frère peut ou une sœur peut mourir de maladie? Ben simplement parce qu'il est encore dans son corps corruptible. Et que son corps, de toute manière, est voué à la mort. Et qu'il faut qu'il revête son immortalité et son ce corps de gloire qui est incorruptible. Mais tant que nous sommes dans ce corps corruptible, il faut bien que cette enveloppe disparaisse à un moment ou à un autre. Et comme c'est pas le temps où le Seigneur revient chercher celles et ceux qui sont ses saints, eh bien oui, des chrétiens meurent par accident, des chrétiens meurent par maladie, des chrétiens connaissent la mort, et oui. Mais l'espérance est dans tout cela, parce que on sait que ce n'est pas la finalité des choses. Alors je disais tout à l'heure que l'Éternel était rentré dans son Shabbat et que il a laissé l'homme à l'homme la possibilité de poursuivre ou non, selon son cœur, son histoire, l'histoire de l'humanité. Bon, l'histoire nous montre que l'homme a bien choisi son ennemi parce que ce n'est que guerre, meurtre, ce n'est que désolation, ce n'est que le plus fort qui va se servir du plus faible. On voit bien que c'est des empires humains qui sont méchants, mauvais, et qui ne cherchent pas le bien de l'humanité, mais qui cherchent à l'exploiter. Mais, malgré tout, il y a au moins deux circonstances ou deux situations où Dieu va sortir de son Shabbat. La première situation, c'est quand les hommes vont trop loin avant le temps. On va prendre un exemple, Babel. Quand les hommes se sont unis contre Dieu pour unifier l'humanité dans sa rébellion sous l'égide de Nimrod, Dieu est intervenu car ce n'était pas le temps. Il est sorti de son Shabbat, qu'est-ce que nous dit la Bible ? Et Dieu descendit voir la tour. Pas qu'il voulait voir ce que faisaient les hommes, il le savait très bien, mais il descendit pour constater la rébellion et pour y mettre un terme. Et donc, il a confondu les langages, confondu la pensée unique de l'époque, et les hommes se sont donc dispersés. La deuxième circonstance dans laquelle Dieu sort de son Shabbat, c'est quand son peuple ou son enfant sont en danger. Si un de ses enfants est en danger de mort spirituelle, sous les assauts de l'ennemi, alors Dieu sort de son Shabbat, il sort de son repos, il se lève et il vient pour délivrer son enfant. Il ne permet pas que un de ses enfants ne soit tourmenté, ne soit tenté au-delà de ses forces et qu'il puisse ainsi
se rebeller contre lui et abandonner la foi. Dieu interviendra toujours. Et c'est ce que nous disait, c'est ce que nous dit la Bible quand elle dit Dieu mesure l'épreuve. L'épreuve n'est pas au-delà de vos forces. C'est-à-dire, Dieu ne permet pas que ça aille trop loin pour vous. Il va l'arrêter avant. Il va sortir de son Shabbat avant pour vous en délivrer parce qu'il ne veut pas que vous vous perdiez. Alors, la question c'est, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu permets ces circonstances dans ma vie? Eh bien, pour que nous apprenions à nous confier en lui et à marcher dans la foi en son amour. Ça peut paraître bizarre. Je vais donner un exemple qui est peut-être pas parfait, mais parce que toutes les images humaines ne sont pas parfaites, mais j'ai une de mes filles qui est assez téméraire. Quand elle était petite, elle était toujours en train de foncer, tête baissée, très téméraire. Et un jour, elle est montée sur le portique d'une balançoire et elle s'est jetée du portique pour voir si elle était capable de sauter et de ne pas se faire mal. Son frère, qui était un peu plus jeune, était tenté de faire la même chose. Et donc, il est monté lui-même sur le portique, et puis, arrivé sur le portique, il n'arrivait plus à descendre, et il avait peur de sauter, donc il était coincé, et donc il commençait à demander de l'aide. « Et papa, est-ce que tu peux ?» Il m'appelle, « Papa, est-ce que tu peux me prendre pour me faire descendre ?» Je lui dis, « Bah écoute, saute, je te promets que je te rattrape. » Et là, le petit bonhomme était là, et je voyais bien le conflit dans sa tête. Un coup, il voulait se lancer, puis en même temps, ben non, j'ai peur. Et c'était un peu, hey, mais s'il ne me rattrape pas? Et si je me fais mal? Et ça, c'est le monde chrétien. Et si Dieu ne me rattrape pas? Et si Dieu permettait que l'épreuve aille au-delà de ce que je peux supporter? Et si Dieu... Alors j'ose pas. Alors j'ai peur. Alors j'ai la crainte. Et la crainte, c'est que... Non, je crois pas que Dieu peut me rattraper. Je crois pas que Dieu peut me tendre la main pour me sauver. Je crois pas que Dieu peut agir pour m'aider. Je crois pas suffisamment. Je sais, est-ce qu'il va m'aimer suffisamment pour ne pas me juger ou me condamner? Est-ce qu'il va m'aimer suffisamment pour pas que dans la maladie je sois tellement frappé que je le renie? Est-ce que dans la circonstance qui est là, on voit que tout augmente et que les salaires baissent et puis qu'on n'arrive plus et que de toute façon, on a du mal à s'en sortir économiquement. Est-ce que le Seigneur va me rattraper? Est-ce que le Seigneur va me rattraper? Et je lui disais, mais fais-moi confiance. Saute, je te rattrape. Et il l'a pas fait. J'ai dû aller le chercher, le descendre. Et après, je lui ai expliqué. Je lui ai dit, regarde, papa t'aurait rattrapé. N'aie pas peur. Oui, mais je pouvais pas. Alors, il fallait qu'il grandisse. Il fallait qu'il comprenne. Qu'il comprenne que je l'aimais suffisamment pour me faire mal moi-même en le rattrapant. Mais la peur a pris le dessus. Et les chrétiens agissent souvent comme ça. La peur prend le dessus. La peur de l'avenir, la peur de tout ce qui se passe dans le monde. Évidemment, il n'y a rien de réjouissant. Tout ce que l'on voit aujourd'hui dans notre pays ou dans le monde n'est fatalement pas réjouissant. Mais le Seigneur nous aime. Et le Seigneur veut nous rattraper de la balançoire. Son bras n'est pas trop court. Et j'ai toujours aimé cette image quand Pierre a voulu marcher sur les eaux. Il dit, Seigneur, permets si c'est toi. Bon, déjà, il avait du courage. Permets si c'est toi que je marche sur l'eau. Sous-entendu, si c'est pas toi, je coule. Alors, sortir d'un bateau en pleine tempête, faut quand même oser. Il le fait. Et à un moment, il regarde la tempête et il coule. Et le texte hébraïque, nous dit pas que Jésus tendit la main. Il dit, il élargit sa main. Il a élargi sa main de manière à saisir Pierre, pour pas qu'il sombre. Eh bien, Dieu, c'est ce qu'il nous propose. Il veut élargir sa main dans nos difficultés. Alors, on n'a pas à avoir peur de l'avenir. On n'a pas à avoir peur de tout ce qui se met en place dans le monde, de ce contrôle des masses, de cette iniquité qui grandit. Seigneur Jésus a dit à ses disciples, toutes ces choses doivent arriver. Mais que vos cœurs ne se troublent point. Donc ça veut dire qu'il y avait sujet à ce que nos cœurs se troublent. Et il nous dit, vous entendez parler de guerre là dans votre pays. Vous entendez parler de crise économique. Vous entendez parler de libertés individuelles qui sont en train de fondre comme neige au soleil. Vous entendez parler de cette iniquité qui vient jusque dans vos maisons. Ces derniers temps...
les députés français, enfin du moins ceux qui étaient encore, parce qu'ils l'ont fait de nuit, ça c'était un peu mieux, ça évite qu'il y ait ceux qui gênent, qui viennent, on ne peut plus donner de propos contre un pays, contre une autre, d'autres nations ou des habitants d'autres nations, on peut plus blaguer en privé. On peut être dénoncé. Et en étant dénoncé, on encourt 3 750 euros d'amende, je crois. Parce qu'on aurait fait une blague sur un habitant d'un autre pays ou sur des minorités, les minorités que l'on entend aujourd'hui. Donc même dans le cadre privé, non pas public. Bon, il y a quelques années, ça portait un nom, ça s'appelle la Stasi, hein, la police d'État de l'Allemagne, de la RDA. On y est, là, en France. On y est. Alors, on peut craindre, on peut se dire, mais alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Non. L'Éternel dit, ne crains pas, mon enfant. Lève les yeux. Parce que quand tu vas voir tout ça, qui c'est en train de se mettre en place, ça veut dire que ta délivrance, ça s'approche. Pourquoi? Parce que le règne du Messie arrive. Alors, évidemment, et je terminerai par ça, sans Dieu, tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre humanité peut nous faire très peur. Et sans Dieu, on peut avoir très peur. Et on doit avoir même de la terreur, parce que c'est terrifiant ce qui arrive sur le monde. C'est la raison pour laquelle les hommes se noient dans le travail, dans la drogue, dans les substances diverses et variées, dans tous les excès, pour oublier tout cela. Pour pouvoir avoir cette impression de vivre. Mais pour nous, chrétiens, c'est le signe, ce sont les signes que le Seigneur est en train de revenir. Il s'approche, il est tout prêt, il revient pour régner. Et ceux qui auront été les méchants seront ôtés. Et les dirigeants qui n'auront pas été dignes vont devenir des serviteurs. Et ceux qui auront été les balayures du monde pour leur Seigneur, seront élevés. Et c'est ce qu'on appelle l'inversion prophétique. Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. C'est ce qui est en train d'arriver. Alors, les quelques tribulations que nous pouvons traverser ne sont rien en comparaison de la gloire à venir, de la gloire en notre Messie. Et alors, ce qu'il nous faut, c'est rejeter de tout notre être, de toute notre force, tout ce qui peut nous détourner du Seigneur, tout ce qui peut nous détourner d'un abandon total entre ses mains, de manière à être pleinement dans sa pensée, pleinement en lui. Et alors, aucune crainte. Cette malédiction qui est arrivée tout de suite après la chute de l'homme, la peur qui est rentrée dans le monde, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La peur est pour ceux qui ont peur du jugement et peur de la condamnation. C'est pour cette humanité impie qui ne veut pas se rebeller. Mais pour le peuple de Dieu, mais pour le peuple de Dieu, qui accepte, la vie du Christ, et qui accepte même l'opprobre du Christ, il n'y a aucune crainte, aucune peur, tout est espérance, tout est paix, tout est joie, parce qu'ils savent que le Seigneur se lèvera le dernier sur la terre des vivants. Alors que toute la crainte, toute peur de l'avenir soit ôtée de nous au nom de Jésus. Parce qu'il est le Seigneur, le roi de gloire, le roi qui vient pour régner. Et alors, nous régnerons avec lui. L'air des chalons.